Ce 22 juin, c'est la fête du feu pour l'État. Et il y a une activité qui est vraiment exceptionnelle. Dead Breeze et moi, on va être là. On va être sur place pour participer à toutes ces activités-là. J'espère vraiment que vous pourriez vous joindre à nous. C'est à Tingwick, au Québec. En fait, on va rentrer dans une espèce de monde enchanté où est-ce qu'il y a on va mélanger magie, où est-ce qu'on va mélanger un peu fantaisie, imaginaire. Il va y avoir des activités, une tonne d'activités vraiment extraordinaires. J'ai tellement hâte. Je vais vous en parler. Oups. Si. Je vais vous en parler. Il y a une tonne d'activités de disponibles. Et il y a bon. C'est dans le bois, c'est dans la forêt. Les installations sont vraiment magnifiques, exceptionnelles. Je crois que vous ne pouvez plus réserver pour pouvoir coucher là, mais on peut tenter là. On peut mettre c'est comme des tentes. On peut y faire du camping si vous voulez rester pour la nuit. En gros, le matin, il va y avoir des marchés des artisans, bien sûr. Il y a des animaux. C'est parfait pour les enfants en plus. On va fabriquer des bâtons de fumigation, les couronnes de fleurs, les cours de danse du ventre. Ça fait baladi un peu. Et là, vous risquez de me voir danser du baladi parce que oui, je danse le baladi depuis des années et des années. Peinture symbolique sur galets, ça aussi, on va pouvoir, je dis probablement, mais peinture symbolique sur galets, ça fait sigil dans ma tête, pouvoir dessiner des sigils sur des galets, quelle peinture utiliser. J'ai tellement hâte à cet atelier-là. Il y a justement de la nourriture sur place. Si vous êtes courageux, moi je vais le dire comme ça, vous pourriez vous baigner dans l'étang. Moi je dis courageux parce que je trouve toujours que c'est frais ces temps-ci, mais les enfants sont toujours partants pour une baignade. Il y a des sentiers magnifiques dans le coin. Par la suite, fabrication de baguettes magiques pour les enfants. Il y a vraiment des belles activités pour toute la famille. Tradition de l'arbre aux offrandes. Oui, c'est une très belle tradition. On a la découverte des cristaux pour la lithothérapie. Envolée de papillons, célébration. Il y a vraiment tout plein de choses. Et on termine la journée avec une magnifique cérémonie de remerciement à Mère Nature. Et il va y avoir des cônes cracheurs de feu. Il va y avoir toutes sortes d'activités vraiment magnifiques. Dead Breeze et moi, on va être sur place toute la journée. On aimerait tellement ça que vous puissiez venir nous rencontrer. On veut vous voir, on veut vous parler. Venez nous voir à Tenwick. C'est une activité qui coûte environ 75 $ canadiens. Mais si vous écrivez RIHOP10, je vais l'écrire sur le chat juste ici. Oui, hop, 10, vous allez avoir un rabais de 10% sur le prix d'entrée. Venez, venez nous voir et mentionnez dans les commentaires que vous venez pour sorcellerie.net. Dead Breeze et moi, on vous y attend et on a vraiment hâte de pouvoir vous y rencontrer. J'espère que vous allez être là au 22 juin.